terminer avec un artiste guinéen qui chante super bien, qui a une voix douce pour apaiser un peu les cœurs de tous nos frères et sœurs du côté de la Guinée-Conakry. Cette actualité, triste actualité, qui est le coup d'État en Guinée-Conakry. Donc, j'ai vraiment une pensée pour tous les frères du côté de la Guinée, qu'ils soient pour ou contre, qu'ils soient avec ou sans. Mais j'ai une pensée pour le peuple guinéen ce soir. Parce que, en tant que citoyenne ivoirienne, en tant qu'africaine, je n'aime pas me mêler des problèmes internes d'un pays. Mais là, ici, il parle aussi de la stabilité de la sous-région. C'est aussi de la stabilité, si la Guinée est stable, c'est que nous aussi, nous sommes stables. Et quand quelque chose arrive à ton voisin, quand malheur arrive à ton voisin, ne te réjouis pas du malheur qui arrive à ton voisin, mais il faut l'aider comme tu peux et puis en tirer les leçons et pour chercher à aller encore plus loin et améliorer l'avenir. Et c'est en cela que je veux prendre la parole ce soir. J'ai vraiment une forte pensée pour tout le peuple de Guinée. Heureusement, comme je le dis, que la Guinée n'est pas plongée dans une guerre civile. La Guinée n'est pas plongée dans une guerre militaire. Oui, il y a eu un coup d'État en Guinée. Moi, ça, vraiment, je vais le dire, je ne salue pas. Je ne salue pas le coup d'État en Guinée. Parce que je ne salue jamais les coups d'État. Quel que soit le motif même d'un coup d'État, je ne salue jamais un coup d'État. Parce que moi, je suis une républicaine, une démocrate. Donc les coups d'État, je ne les salue pas. J'ai jamais salué un coup d'État d'ailleurs en Afrique, mais que ce soit en Afrique ou ailleurs. Donc vraiment, je pense que je suis attristée comme tout le monde. Je suis attristée et que j'espère que le peuple guinéen va se remettre très vite. Ils vont se mettre autour de la table rapidement, qu'ils vont trouver les moyens de surmonter. Mekou, bonsoir mon frère. Diallo Roukia Toumali, bonsoir. Et que le peuple guinéen va surmonter rapidement, ils vont se mettre autour de la table et puis trouver les solutions pour surmonter encore ce énième défi. Ce énième défi, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des coups d'État en Guinée. Et puis, ça ne doit pas être aussi une habitude d'avoir des coups d'État en Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, après encore des fêtes, après 60 années quand même, l'Afrique encore, on a toujours le regard de ce continent qui est un regard de pitié. Et ça m'attriste beaucoup. Et qu'on puisse dire encore l'Afrique. Il y a un coup d'État encore dans un pays africain. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un coup d'État au Tchad, suivi de l'assassinat du président, feu le président Idriss Déby. Il y a eu encore un coup d'État au Mali. Et puis encore aujourd'hui, un coup d'État en Guinée-Conakry. Et donc, tous ces coups d'État ne doivent pas être une réjouissance, quel que soit le motif du coup d'État, ne doit pas être une réjouissance pour nous les citoyens. Au contraire, on doit réfléchir et penser pour dire qu'est-ce qu'on peut apporter? Pourquoi il y a des coups d'État dans nos États? Et qu'est-ce qu'on peut apporter pour qu'on puisse éviter cela? Comment on peut jouer? Quel rôle on peut jouer en tant que des citoyens? Et moi, je me base toujours sur la citoyenneté et que je dis, Kadi Bamba, je t'embrasse. Et que je dis, je crois à la citoyenneté. Et que je pense que c'est par la sensibilisation que nous allons réussir à surmonter ces défis. Parce que ce sont des vrais défis. L'Afrique est confrontée à des défis. Il y a des défis économiques, sécuritaires, des développements. Et réfléchir comment chaque Africain pourrait être utile. Et non se réjouir parce que malheur est arrivé à l'autre. Moi, je ne crois pas à cette Afrique qui se réjouit du malheur des uns et des autres, mais je crois à la solidarité africaine. La solidarité africaine qui, quand l'autre pleure, on va l'aider à surmonter la douleur, on va l'aider, on va l'accompagner pour apaiser ses chagrins. Et aujourd'hui, l'heure n'est pas la réjouissance,
Mais je pense que l'heure est à la réflexion. Réfléchir, penser ensemble. À la réflexion, comment on peut être utile sur ce beau continent de 53 États où il n'y a pas une année qui passe sans coup d'État. Vraiment, c'est triste pour nous-mêmes et c'est pas glorieux pour l'Afrique. C'est pas une belle image pour ce continent. L'Afrique mérite mieux et l'Afrique peut mieux faire. On peut changer les choses autrement sans toujours passer par ces moments de chaos. Les coups d'État n'ont jamais arrangé un pays. Les coups d'État n'ont jamais arrangé un pays. Un pays qui a des coups d'État à répétition, c'est un pays instable. Et un pays instable, les investisseurs ne viennent pas dans ce pays. Il faut une stabilité dans un pays pour que les investisseurs viennent dans le pays. Il faut une stabilité pour que les investisseurs investissent. Parce que celui qui vient investir dans ton pays, il vient pour apporter de l'argent. Il vient te confier de l'argent. Il vient te confier son argent. Son argent qu'il te confie, c'est pour qu'il gagne, que tu gagnes aussi. Mais si le pays est instable, mais qui a envie d'investir dans un pays instable? Même nous-mêmes, les petites personnes qui sommes là, personne n'a envie de prendre son argent et le jeter à l'eau. Mais c'est un pays instable. C'est dans les pays stables qu'on va investir. C'est les pays stables qui attirent les investisseurs. C'est les pays stables qui fait venir les investisseurs. Parce que les investisseurs, ils regardent aussi, ils regardent l'état du pays. Il y a des notations. Est-ce que ce pays-là, est-ce que dans ce pays est stable? Est-ce que ce pays-là, je peux investir? Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce que le président qui est là, c'est quelqu'un de fiable? Est-ce que son gouvernement est fiable? C'est toutes ces choses-là, les investisseurs regardent. Ils se disent, bon, on peut aller investir. C'est ça aujourd'hui la difficulté de ce beau pays qu'est la Guinée. Je dis beau pays parce que c'est un pays qui est riche. La Guinée est un pays immensément riche. La Guinée est un pays immensément riche. La Guinée n'est pas un pays pauvre, mais la Guinée manque d'infrastructures. Mais la Guinée n'est pas un pays pauvre. La Guinée manque de développement. La Guinée n'est pas un pays pauvre. La Guinée manque de développement. Pourquoi la Guinée manque de développement? Pourquoi la Guinée manque de développement? La Guinée manque de développement parce que depuis les années Sékou Touré, oui, depuis les années Sékou Touré, après Sékou Touré, il y a eu un président par intérim. Attendez, je vais vous montrer au fur et à mesure les images et puis on va les commenter après. Je vous montre un peu ici. Je pense que c'est bien ça. Je vais vous montrer Sékou Touré. C'est bien ça. Voilà Sékou Touré. Après Sékou Touré, c'était des 1900 qui a duré quand même au pouvoir un peu. Octobre 1958, 26 mars 1984. Ensuite, on a eu le président par intérim. On a eu un autre président qui est venu après Sékou Touré, qui est venu. C'était celui-ci. Pardonnez autant pour moi. Voilà, c'est celui-ci qui est le président, lui, Béorogui. Je le prononce très mal, je suis désolée si j'écorche son nom. Mais qui n'a pas duré. Lui, il est venu le 26 mars 1984, après Sékou Touré. Il est parti le 3 avril 1984. Je pense à peine un mois. Il n'a pas duré, il est parti. Et il y a eu un autre président, Lassina Conté, que je vais vous montrer ici. J'ai toujours l'histoire de la Guinée, Lassina Conté. 3 avril 1984, 22 décembre 2000, oui, 2008, effectivement. Ensuite, il y a eu. Il y a eu un autre président qui est arrivé par un coup d'État militaire que je vais vous montrer. Je pense que c'est Dadis Camara, si je ne me plante pas. Non, ça c'est. Zut, c'est pas ça. Je vais vous montrer rapidement. Il y a eu Dadis. Hein. Voilà, Dadis Camara. Il y a eu Dadis Camara. Ensuite, après Dadis Camara, il y a eu l'autre. Après Dadis Camara, il y a eu l'autre président que je vais vous montrer. Ça, c'est toujours Alpha Condé. Il y a eu celui-ci, coup d'État militaire aussi. Dadis Camara, c'était un coup d'État militaire. Il y a eu celui-ci qui s'appelle Sékouba Konaté, coup d'État militaire. Ensuite, on arrive sur le président Alpha Condé. On arrive sur le président Alpha Condé.
Voilà, le président Alpha Condé, que je vous montre au fur et à mesure. Voilà, le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé qui arrive au pouvoir. Voyez, le président Alpha Condé qui arrive au pouvoir. Qui arrive au pouvoir. Et qui est entouré, qui accompagne, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est-à-dire le parcours de la Guinée, ce n'est pas un premier coup d'État, malheureusement. Je dis malheureusement parce que moi, je ne suis pas. Je ne. Je félicite jamais les coups d'État. Parce que je suis une citoyenne. Moi, je pense que la démocratie, c'est quand on va dans les urnes qu'on s'exprime. Ce n'est pas par les armes ni dans la rue. Donc, je ne justifie pas le coup d'État, mais je n'appréciais pas non plus la politique. Je ne dirais pas la politique parce qu'elle est intérieure, mais comment malheureusement Alpha Condé, président en exercice, lui-même s'est exclu complètement, a mis son pays dans des difficultés économiques, malheureusement. On va dire les choses comme ça. A mis son pays dans des difficultés économiques. Donc on va continuer. Je veux finir avec vous sur les vidéos. Voilà le président Alpha Condé qui est ici aujourd'hui. De là, et je vais vous montrer une vidéo, une image du président Alpha. De là, vous savez, le président Alpha Condé. On va revenir sur l'image que je cherche. Justement, je puisse la voir. Les anciens présidents que j'essaie de défiler pour vous. Les anciens présidents que j'essaie de défiler pour vous. Hop. Ça, c'est le président Alpha Condé. Non. Média. Ça, c'est le président Alpha Condé. Je vais vous. Voilà. Alpha Condé ici. Que je vais vous montrer. Le président Alpha Condé le 31 août dernier avec le président de la Turquie. Le président Alpha Condé avec le président de la Turquie. Voyez-vous, c'est dommage d'arriver à ça. C'est triste d'arriver à des situations pareilles. C'est malheureux d'arriver à des situations pareilles. Quand on est dirigeant d'un État, quand on est président de la République, on doit tenir compte du reste du monde. Quand on est chef de l'État, quand on gère un État, quand on gère la population, quand on a sa population qui est sortie un peu partout, on doit tenir compte de l'état du monde. Je sais, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste le parallèle que je veux faire pour vous expliquer la tristesse parfois dans laquelle se trouvent certains dirigeants africains qui n'ont peut-être qui n'ont pas compris la mondialisation. Qui n'ont pas compris la mondialisation. La tristesse dans laquelle se trouvent parfois des dirigeants africains par pulsion, souvent d'une partie de la population, ou par pulsion d'une partie des intellectuels africains, eux-mêmes tombent dans une situation dans laquelle ils ne peuvent plus s'en sortir. Quand on est chef d'État, il faut tenir compte du reste du monde, parce que nous sommes dans la mondialisation. Nous sommes dans la mondialisation. On ne peut pas diriger un État en pensant qu'on est seul au monde. Non, nous sommes dans la mondialisation. Il ne faut pas jouer avec la diplomatie. Il ne faut pas jouer avec la géopolitique. Il ne faut pas rigoler avec la géostratégie. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Il faut tenir compte de tous ces paramètres. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis. Quand quelque chose arrive à ton voisin, malheur arrive à ton voisin, regarde et va l'aider, va le secourir. Mais ce qui est arrivé, tu dois prendre, tirer des leçons de ce qui est arrivé à ton voisin.
Et je vais faire le parallèle. Je ne fais pas, je cherche pas à faire de la polémique, mais je cherche juste à me faire comprendre, même si on n'est pas d'accord avec moi. Le président déchu, donc Alpha Condé, on va revenir. Moi, quand je regarde de cette image du président Alpha Condé, qui date même pas d'un mois, à cette image, je me dis, mais comment il est arrivé à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est arrivé à ça? Comment il est arrivé à ça? Pourquoi il est arrivé à ça? C'est ce que je me dis. Quand je regarde cette image, donc je vais enlever. Je regarde cette image. À cette image. Des solitudes. Une image de solitude. Un homme seul. Seul face à son destin. Un homme seul face à son destin. Un homme seul face à son destin. Qui n'a pas su, qui a oublié que nous vivons dans un monde planétaire, qui pense que à 81 ans, il faut faire le jeu de l'oubar. Non. La Guinée est un pays très riche. La Guinée est un pays immensément riche. Je dis la Guinée est un pays immensément riche où la forêt est vierge, la forêt est dense, la forêt est verte. Ça veut dire la richesse de la Guinée là. Si la Guinée tombe sur un président à qui les investisseurs ont confiance, si le jour que la Guinée va avoir un président en qui les investisseurs ont confiance, le jour où la Guinée va avoir un président, et pourquoi je prends l'exemple, comme nous, notre président, le président Alassane Ouattara, je vous assure que les Ivoiriens vont aller travailler, chercher travail en Guinée. Le jour que la Guinée va avoir un président, comme le président, son Excellence le président Alassane Ouattara, je vous assure, nous les Ivoiriens, on va aller chercher travail en Guinée, parce que c'est un pays qui est riche. La Guinée est riche. La Guinée est un pays très riche. Mais les présidents, souvent quand ils arrivent au palais, ils oublient de prendre en compte la géopolitique, la géostratégie. Ils pensent que c'est en faisant des bras de fer, des bras de force, des bras de dos, qu'ils vont réussir quelque chose. Les investisseurs ont confiance en un homme. Ils viennent dans un pays quand ils ont confiance. Ils viennent dans un pays quand il y a la stabilité. Quand le pays est stable, tout le monde a envie d'aller investir là-bas. Mais quand le pays est instable, personne n'a envie d'aller investir là-bas. Qui va aller mettre son argent dans un pays instable? C'est jeter son argent là. Allô? Le président déchu Alpha Condé, comment il est arrivé au pouvoir? Comment il est arrivé au pouvoir? Vous êtes en Afrique, et nous qui sommes sur les réseaux sociaux, ceux qui se disent les panafricains, vous induisez souvent certains chefs d'État en erreur. Vous trompez souvent certains chefs d'État. Vous trompez, vous manipulez souvent des populations, des États, pour avoir un comportement irresponsable. J'entendais depuis quelque temps sur les réseaux sociaux. C'est pas en Guinée où Kémi Séba est. Kémi Séba est où aujourd'hui pour aller sauver le président Alpha Condé? Kémi Séba est où? Il est où Kémi Séba? Mais Kémi Séba
Pas besoin de soulever les foules pour lancer à l'insurrection, pour insulter les entreprises qui sont en Guinée. Mais ces entreprises en Guinée créent de l'emploi pour les Guinéens. Les entreprises en Guinée créent de l'emploi pour les Guinéens. La Guinée est un pays riche. Il y a quelques Guinéens immensément riches. Parce que en Guinée, il y a des ressources. Mais il n'y a pas d'investisseurs pour aller exploiter ces ressources, pour pouvoir aider l'État. Donc l'État est faible, mais les populations sont riches. C'est comme le Mali, la Guinée. C'est-à-dire l'État est pauvre, mais les populations sont riches. Mais les populations qui sont riches là, ils font quoi? C'est-à-dire en Guinée, comme on dit en Côte d'Ivoire, les orpailleurs là. Il y a plein de gens comme ça qui se sont accaparés d'un bout de territoire et qui eux-mêmes, ce sont les Guinéens pour le coup, qui eux-mêmes exploitent l'or, le diamant. Mais l'État est pauvre. Donc ça crée l'instabilité tout le temps. Mais quand le pays est instable, personne ne va aller investir là-bas. Qui va partir là-bas? Et tu vois des gens qui manipulent ça. Ils ont passé leur temps à manipuler une partie de la population guinéenne. Chaque fois que nous sommes face à notre irresponsabilité, on s'en va chercher, c'est-à-dire le coupable idéal. Oh, c'est la faute de la France. Oh, c'est la faute de la France. Oh, c'est à cause de la France. Oh, c'est la faute de la France. Quand nous sommes face à notre irresponsabilité, on va chercher toujours le pouls dans la tête de la France. Comme si c'était la France qui nous empêchait d'être des investisseurs dans notre pays. Comme si c'était la France qui nous empêchait, nous les Africains, à entreprendre dans notre pays. Parce que c'est tellement facile de toujours accuser la France. Comme ça, on est sûr qu'on ferme les yeux sur nos irresponsabilités. Donc, on met tout toujours sur la France. Et on manipule les populations. Allez-y, insultez la France. C'est à cause de la France que vous êtes comme ça. C'est à cause de la France que vous êtes comme ça. On devient des panafricains à 2 balles, 3 sous. Sans même penser à la sécurité du pays. Quand ça va péter demain, là, qui est ton allié? Qui est ton partenaire? Parce qu'on est dans un monde planétaire. On est dans la mondialisation. Quand c'est instable, quand c'est chaud demain, là, tu te tournes vers qui? Un pays ne peut pas fonctionner comme ceux qu'on a en autarcie. Il faut des partenaires. Des partenaires sûrs, des partenaires stratégiques. Tous les États ont des partenaires stratégiques. Partenaires militaires, partenaires commerciaux, partenaires. On a des partenaires. C'est ça la mondialisation. Même la France a des partenaires. Partenaires stratégiques de la France, la partenaire militaire, là, c'est les États-Unis. La France ne peut jamais s'élever pour aller quelque part seule si les États-Unis n'est pas avec elle. Parce qu'ils sont des partis, ils sont des alliés. Mais vous, on est assis, on pousse, on manipule une partie de la population et puis on fragilise l'État. On fragilise nos États. Nous sommes responsables, nous-mêmes nous fragilisons nos États. Ceux qui appelaient à des révolutions en Guinée, ceux qui appelaient à des insurrections, ceux qui appelaient ainsi des Sud, ils sont aujourd'hui. Voilà Alpha Condé qui est seul. Il est seul. Il regarde derrière, espérant voir quelqu'un. Mais il n'y a plus personne. C'est-à-dire, des tapis rouges. Tu passes à paillasson. On te mâche le pied. Ça fait mal. C'est un déshonneur complet. Ça fait mal. C'est-à-dire, tu es seul. Ceux qui étaient autour de lui, ceux-là, quand vous regardez cette photo, tout le monde était autour de lui. Il n'y a même pas 2 semaines, on l'applaudissait. Tout le monde, monsieur le président, monsieur le président. Tous les conseillers, ils ne sont pas là. Il est seul aujourd'hui. Il est seul. Seul, il regarde derrière à personne. Chacun est en train de négocier actuellement même là. Avec le militaire, comment il sa place. Chacun, ils l'ont abandonné. Compris. Il est seul. Les conseillers sont avec lui dans la voiture, non. Il est seul. Vous induisez les gens en erreur. Ils se retrouvent seuls. Ils se retrouvent seuls. C'est triste de regarder. Moi,
Son image me peine. Pourtant, avant les élections, je parlais. Quand l'ex-président, on va dire, puisqu'il n'est plus président, Alpha Condé, voulait faire son troisième, voulait passer au troisième mandat, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit non. Ne comparez pas la situation de la Guinée à la situation de la Côte d'Ivoire. Comparaison n'est pas raison, ce n'est pas les mêmes situations. Ce n'est pas les mêmes situations. Pour ceux qui ont suivi ce direct-là, j'ai dit, Alpha Condé, ils sont en train de le regarder parce qu'il y a trop de dossiers avec le Mali à gérer. Ce qu'il est en train de faire, là, ce n'est pas bon. Il ne faut pas comparer les deux situations. Qui m'a aidé? Alpha Condé, son partenaire stratégique, est la Russie. Puisque le nouveau jeu des panafricains, c'est de dire on va collaborer avec la Russie, on va collaborer avec la Chine. Toi, tu comprends russe. Tu connais la mentalité des Russes. Tu connais la mentalité des Russes. On va avec la Russie. On appelle, vous prenez les drapeaux russes sur le continent. Vous, là, vous parlez russe. Vous, les Africains, c'est-à-dire que l'Afrique francophone, vous parlez russe. C'est juste une question. On vit dans un monde où nous-mêmes, en tant que citoyens, on se bute, on se bloque, on refuse même de regarder le monde autour de nous, comment ça évolue. Vous parlez russe. La Russie était où? La Russie était où pour protéger Alpha Condé? Dans son fauteuil. La Russie était où? Moi, c'est la question. C'est pour ça que j'ai titré dit la Russie était où? Comme c'est le drapeau russe qui est devenu votre drapeau maintenant sur le continent africain. Là. La Russie était où? Vous répétez les mêmes erreurs et vous êtes étonné quand vous êtes dans la même situation. La Russie était où? Où sont les Russes? Alpha Condé a fait la même erreur que M. Laurent Gbagbo. Les mêmes erreurs. Chose bizarre, en plus, il avait la même chemise que M. Laurent Gbagbo, seulement ce n'était pas la même couleur. Les Russes sont où? En plus, paraît-il que M. Laurent Gbagbo était en visite chez lui 3 jours. Donc, je ne sais pas s'il est avec Laurent Gbagbo, ils l'ont pris ensemble. En tout cas, je ne sais pas. Quand Gbagbo cherche à être président, il y a un poste qui est vacant en Guinée, comme c'est les panafricains. On dit panafricanisme, mais il peut être là-bas directement. Les Russes sont où? Vous trompez les gens. Vous trompez les gens. Vous trompez les gens. Regardez l'image d'un homme. D'un père, d'un grand-père, 81 ans. 81 ans. Il est seul, il regarde derrière personne. 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 Voilà. Vous vous mettez vos partenaires à dos pour rien. Vous vilipendez des gens qui créent de l'emploi dans votre pays. S'il n'y a plus d'entreprise en Guinée, il n'y a pas d'emploi en Guinée. Les Guinéens seront au chômage. Parce que les quelques Guinéens riches, et ils sont riches pour eux, pas pour le peuple. C'est une grossière erreur. Il y a un Sylvain Gribaté. Pose ta question, Gribaté. Je te lis au fur et à mesure. Je vais répondre si je peux. Pose ta question. L'erreur, elle est là. Alpha Condé a fait la même erreur que Laurent Gbagbo. Même erreur. Prendre la France à dos. C'est la faute de la France. C'est comme ça. C'est ceci. Alors que c'est la même France là qui vous a mis là où vous êtes. Alpha Condé est venu comment au pouvoir? Il a oublié. C'est les Russes qui sont ses amis. Ma question, la Russie est où? Elle est où la Russie? Je t'embrasse mon frère Aruna Kone. Sekou Diaby.
La Russie est où? Moi, je veux que ceux qui prennent drapeau des Russes, là, je veux leur poser la question, où est la Russie? Les mêmes erreurs. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de partenaires, vous n'avez pas d'investisseurs, vous n'avez pas d'alliés. Donc, bouc émissaire, c'est la France. C'est la France. C'est la France. La France, là, elle crée de l'emploi quand elle vient investir dans ton pays. La France, là, quand elle vient dans ton pays, là, elle embauche les nationaux. Elle crée de l'emploi. La Chine, quand la Chine arrive, là, la Chine vient avec son argent. La Chine ne crée pas d'emploi. La Chine vient avec des Chinois. Si moi, je dois chercher partenaire sûr, là, il prend la France. Il ne prend pas Russe. Il ne prend pas Chine. Il prend la France. Parce que déjà, il parle français. Ce contrat qu'il voit, on va écrire, qu'on va lire ensemble, là. Il peut lire pour comprendre. Moi, je ne comprends pas Russe. Celui qui va faire traduction, là, moi, il sait ce qu'il va me traduire dedans. Il sait ce qu'il va me traduire dedans. Alpha Condé s'est coupé de ses partenaires. Il a fait l'erreur de M. Laurent Gbagbo. Comme par hasard, Gbagbo s'en va en visite chez lui. Il est chassé du pouvoir. Comme un poisseux. Comme un poisseux. Il a apporté la poisse en Guinée. On va dire, c'est comme il a apporté la poisse. Comme par hasard, c'est la même chemise là. Mais pas même couleur. Et voilà. Et voilà. C'est une erreur. Donc, il faut arrêter de tromper. Parfois, les gens qui sont dans les couloirs des palais, là, arrêtez de tromper nos chefs d'État. Arrêtez de les tromper. J'ai dit, le jour que la Guinée va avoir un président qui a une grande vision comme le président, son Excellence, le président Hassan Ouattara, avoir un président qui a compris le monde, comment le monde fonctionne, comme le président, son Excellence Alassane Ouattara. Les Ivoiriens vont aller faire boy en Guinée. Et moi, il dit ça. Parce que la Guinée est riche. On va aller me faire mettre chien gardien en Guinée parce que la Guinée est riche. Malheureusement, depuis ces années, les ceux qui arrivent répètent les mêmes erreurs, répètent les mêmes erreurs, répètent les mêmes erreurs. Vous voulez faire quoi? Toi, c'est Erdogan qui est ton ami. Tu le reçois. La Côte d'Ivoire qui est ton pays, ton frère, le voisin là. Alpha Condé n'est jamais venu en visite officielle en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu vois là le problème. Je suis sûr que, et j'espère, notre pays, la Côte d'Ivoire, est un pays d'accueil. Est un pays hospitalier. Qui ne peut pas fermer la porte à un voisin qui a des problèmes. Et je sais, moi, j'ai confiance à mon pays. Mon pays va tendre la main à ce président déchu et à sa famille pour le mettre à l'abri. Moi, je crois à la fraternité. Et le président Alassane Ouattara ne va pas laisser un président aussi malheureux dans cet état. Il ne le laissera pas. Moi, je crois à la fraternité. Moi, je crois à la fraternité. Même si le président Alpha Condé n'a jamais aimé le président Alassane Ouattara. Avait pour ami Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, là, est-ce que Alpha Condé, c'est à Mama, il va aller? S'il vient en Côte d'Ivoire, c'est à Mama, il va partir? Non. C'est la Côte d'Ivoire qui va le protéger. C'est le président Alassane Ouattara qui va le protéger. C'est les autorités ivoiriennes qui vont le protéger. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, est un pays hospitalier. On ne peut pas laisser nos frères qui sont dans les difficultés. On leur tend toujours la main. C'est triste de voir cette image. Elle m'attriste. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne dirais pas qu'il a cherché. Mais il a compté sur la Russie. La Russie l'a lâché. La Russie est où? Parce que les gens sont venus tranquillement dans sa maison. On va voir une image. Attendez, je vais mettre quelques vidéos et puis on va continuer. Voilà le président Alpha Condé. Moi, ça m'attriste. Oui. Des draps en soie comme ça, c'est lourd. Ouais. Vous n'êtes pas torturé, non? Est-ce qu'on vous a... On a touché un fil de la brutalité. Ça fait vraiment pitié. La brutalité. C'est là.
Voilà, je vais mettre une autre vidéo, on va continuer. Voilà. Guinéenne et Guinéenne, l'armée qui s'est... chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. C'est triste. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun à ce qui le concerne de rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes. Nous n'avons pas, on ne va pas reprendre les erreurs du passé. Nous allons nous concentrer sur le développement. Voilà. Après ce discours, mes frères et sœurs, on va aller là, on va regarder la population dans les rues de la Guinée qu'on a créée, la population qui apparemment est très contente. Bambeto. On va aller Johnny, Johnny, mais on est communiqué au KRT, c'est merde. Comme un bambetu, à quoi ça t'a nous coupé aussi? La question, ah merde! Merde! Il y a un de Yauti! Hey, non! Hey, 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 hey
Continuer Sylvain dit il attend toujours sa réponse. J'ai pas vu ta question passer. Essaie de la remettre au fur et à mesure parce que je l'ai pas vu passer. Je t'embrasse, ma frangine, ma soeur, Modestine Seibi. Il y a toujours des gens comme ça qui mettront toujours des têtes de mort. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que même leur tête de mort, ça fera absolument rien. Ça fera rien. Je continuerai le direct. Et donc, je voudrais dire que ça ressemble un peu à du Gay Robert. Voilà, ça ressemble un peu à du Gay Robert. Et que moi, nous, on n'est pas là pour danser ou pour crier de joie. Parce qu'on a vécu ces situations dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et on ne souhaite pas ces mêmes situations à un pays frère. Mais quand ça arrive dans un pays frère, on ne peut que tendre la main, aider comme on peut, accompagner comme on peut, pour que ce pays arrive à s'en sortir très rapidement. Parce que les coups d'État, ça n'avance pas les États. Ça retarde les États. Les coups d'État, ça met en retard. Et un retard, c'est beaucoup pour un pays qui est sous-développé. C'est énorme pour un pays qui est sous-développé. Donc nous, on ne se réjouit pas parce qu'il y a un coup d'État en Guinée. Au contraire, on essaie et on essaiera d'aider comme on peut pour aider ce pays à se relever très vite. Parce qu'il faut se mettre au travail. Et c'est ce qui est important. Quand on tombe, on se met au travail. On ne dit pas, non, comme l'autre est tombé, je ne vais pas y participer, j'y vais pas. Et moi, je vais parler à mes frères et sœurs du côté de la Guinée. Mettez-vous au-dessus. L'État est une continuité. L'État est une continuité. Ne commettez pas les erreurs. Nous, on a commis des erreurs en Côte d'Ivoire. Mais ne commettez pas ces erreurs-là. Il y a une partie de la population qui a commis ces erreurs. Ne commettez pas ces erreurs. L'État est une continuité. Les institutions sont là. Mettez-vous autour de la table et pensez à la réconciliation. Allez-y, foncez, ne tardez pas. Ne perdez pas le temps sur la réconciliation. C'est vrai que pour moi, dans un État démocratique, il n'y a pas de raison qu'on ait des militaires à la tête de l'État. Parce que pour moi, les militaires, c'est dans les casernes. Les militaires, c'est de protéger les populations. Les militaires, c'est de lutter efficacement contre les terroristes. Les militaires, c'est de sécuriser le pays. Les militaires, c'est d'accompagner les populations. Les militaires, ce n'est pas pour être au pouvoir. Donc à vous, le peuple de Guinée, à tous les partis politiques de la Guinée, des différents bords politiques, à vous de réfléchir, de trouver les ressources nécessaires, de dire, ok, c'est vrai, il y a eu un coup d'État. C'est que quelque part dans le pays, il y a eu quand même des mécontentements dans le pays. Il y a eu des choses. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça. Mettez-vous autour de la table. Allez-y sur les tables de discussion, des négociations. Ne vous mettrez pas à l'écart. Et puis, faites avancer le pays. Parce que, quel que soit le temps que vous allez prendre, les politiciens vont tous finir par dialogue, discussion, réconciliation et paix. Quel que soit le temps que vous allez prendre. Donc, ne perdez pas le temps. Parce que le pays a besoin d'avancer. Ne perdez pas votre temps. Ne restez pas dans la colère. Ne restez pas dans la... Mais mettez-vous autour de la table. Apportez vos idées. Allez-y, foncez. Parlez de réconciliation et d'unité du pays. Vous devez unifier votre pays. Ne vous entre-déchirez pas. Ne vous entre-déchirez pas pour les hommes politiques. Les hommes politiques font de la politique. Vous ne faites pas de la politique. Vous avez besoin de mieux vivre, mieux être. Et c'est ça qui doit être votre préoccupation. Et non, vous bagarrez pour des hommes politiques. Ne faites pas les erreurs du passé. Ne commettez pas les erreurs du passé. Mettez-vous ensemble, foncez, parlez, union, réconciliation, paix, union, réconciliation, paix. Pour les citoyens de la Guinée, ce n'est pas l'heure, n'est pas la vengeance. Ne vous vengez pas de X ou Y. Ça n'apporte absolument rien. Ça apporte toujours
du belote, rebelote. L'autre est venu, on va se venger. L'autre part, l'autre arrive, on va se venger. L'autre arrive, l'autre part, on va se venger. Mettrez-vous autour de la table et pensez le processus d'unité et de réconciliation. Vraiment, j'appelle mes frères et sœurs du côté de la Guinée à s'unir autour de la République. L'État est une continuité. L'État est une continuité. C'est difficile parfois d'un camp ou l'autre d'avaler le morceau, mais il faut avaler parce que la paix, elle vaut plus que tout. Et c'est ce message que je veux adresser à mes frères et sœurs du côté de la Guinée. Je vois les gens qui mettent les têtes des morts, ça ne sert à rien. Ça ne va rien changer. Ça ne sert à rien. Ça ne va rien changer. Et donc vraiment, voilà le message que je voulais apporter à mes frères du côté de la Guinée. Et que comme on dit, que l'être suprême vous donne la sagesse nécessaire de réussir à surmonter et à surpasser cette énième épreuve. Et je voulais conclure pour dire que nous aussi, en tant que citoyens africains, nous avons aussi notre responsabilité. Nous devons appeler à avoir des discours de paix, des discours apaisés. Il faudrait qu'on aide nos États. Parce qu'il ne faut pas qu'on cède aussi aux jeux politiques. On cède aux jeux politiques, nous sommes les perdants. Les hommes politiques font de la politique. Ils ont choisi de faire de la politique. Toi, tu ne vas pas céder au jeu d'un homme politique. Lui, fait de la politique. Toi, tu ne fais pas de la politique. Concentrons-nous sur le continent. On ne peut pas rester là à chaque fois qu'on dort, on se réveille. Ah, il y a eu un coup d'État dans tel pays africain. Encore, c'est la tête des Noirs qui sont dans la télévision. Pourtant, on ne vit pas sur le continent. On regarde. Ah, il y a eu un coup d'État dans tel pays africain. C'est-à-dire l'Afrique est devenue maintenant, c'est notre seul palmarès. Coup d'État. Coup d'État est devenu notre seul palmarès. Il faudrait qu'on évite cela. Il faudrait qu'on évite cela. Coup d'État ne doit pas être notre seul palmarès. L'Afrique est gorgée de talents, d'intelligence, des hommes et des femmes capables de faire évoluer, de pousser ce continent plus haut. Essayons ensemble de le pousser plus haut. Et je veux conclure sur certains qui font l'amalgame entre ce qui s'est passé en Guinée et font l'amalgame entre ce qui s'est passé en Guinée et la Côte d'Ivoire. J'ai vu notre sœur Lucie qui a écrit, qui dit « Tu vois Laurent Gbagbo partout ». Je ne vois pas Laurent Gbagbo partout. Laurent Gbagbo est parti en visite en Guinée. Il est parti en visite pour 3 jours. Donc j'espère qu'il se porte bien là-bas. En tout cas, j'espère pour lui. Malheureusement, il est arrivé. Son ami qu'il allait saluer est tombé. Bon, voilà. Donc j'espère qu'il se porte bien. Et j'ai dit tout à l'heure que je ne fais pas... Ce n'est pas de la polémique. Vraiment, ce n'est pas de la polémique. Et je pense qu'on doit se mettre vraiment à la hauteur. À la hauteur pour pouvoir faire face à ces enjeux. Parce que ce qui concerne le continent, nous concerne nous tous. Et je veux dire à ses frères et sœurs, ne faites pas la confusion. La Côte d'Ivoire n'est pas la Guinée. La Guinée n'est pas la Côte d'Ivoire. À vous, mes frères et sœurs. Et c'est sur ça que je vais terminer. La Côte d'Ivoire n'est pas la Guinée. La Guinée n'est pas la Côte d'Ivoire. Albertine Kouassi a dit, ne lui fais pas du mal, s'il vous plaît. Qui l'a envoyé là-bas? Qui l'a envoyé là-bas? La Côte d'Ivoire n'est pas la Guinée. La Guinée n'est pas la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les institutions sont là. En Côte d'Ivoire, la Troisième République a été votée. A été une réforme débattue, transmise à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ne faites pas l'amalgame. Notre pays, la Côte d'Ivoire, s'est doté d'une troisième constitution. Mais cette constitution a été votée en grande majorité par presque toute l'opposition de Côte d'Ivoire. Le président de la République, c'était une réforme. La Troisième République n'a pas été votée ni signée par décret. Non. En Côte d'Ivoire, dans notre pays, la Troisième République, M. Soro Guillaume Kibafori était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le projet a été transmis à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le projet a été transmis à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Il était là-bas, il avait son groupe parlementaire.
Il avait son racisme déguisé qui était un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA avait son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Il avait un autre groupe parlementaire, Agir, de Évariste Miambli. Donc il y avait plusieurs groupes parlementaires en Côte d'Ivoire. Tous les groupes parlementaires ont appelé à voter oui à la Troisième République. Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Si Soro n'était pas d'accord, c'est là on dit, on est un homme responsable politique, on prend ses responsabilités. Soro était assis sur le siège de l'Assemblée nationale. Quand la Constitution, le chef de l'État, pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara s'est déplacé lui-même et venu à l'Assemblée pour remettre la réforme à Guillaume Soro. Pourquoi Guillaume Soro n'a pas voté non? Et puis il a voté oui. Je pose la question. Guillaume Soro a voté oui à la Troisième République. Henri Konan-Bédié a fait campagne pour la Troisième République. Il n'a pas dit non, il a voté oui. Bédié a fait campagne pour la Troisième République. Soro a dit oui à la Troisième République. Personne ne l'a placé un couteau sur la gorge. À un moment donné, il ne faut pas se foutre du peuple. Il faut respecter les gens. Nous sommes des survivants et nous sommes encore là. Je vous montre. Ici, c'est Guillaume Soro. Oui. Je vote oui. Pour dire au peuple de la Guinée qu'on a crié. Les gens veulent vous tromper, mais ne restez pas. La Guinée n'est pas la Côte d'Ivoire. Soro était président de l'Assemblée nationale. Il a dit oui à la Troisième République de Côte d'Ivoire. Il a dit oui. Personne n'a mis le couteau sur la gorge de Soro Diop pour venir dire, pour faire campagne pour lui. Personne. Le PDCI a dit oui à la Troisième République. C'était même les militants du PDCI qui faisaient campagne pour le oui. Le PDCI a dit oui à la Troisième République de Côte d'Ivoire avec Henri Konan-Bédié. Respectez les gens. Ne vous foutez pas des gens. Voilà. Ça, je vous montre le 8 de Bédié. Bédié a dit oui à la Troisième République. Donc aujourd'hui, ne venez pas nous expliquer que oui, c'est la Troisième République en Guinée qui a fait tomber Alpha Condé. Et en Côte d'Ivoire, c'est le 3... Il n'y a pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire, c'est le premier mandat de la Troisième République. Vous faites l'amalgame. On croit que vous ne connaissez pas les institutions. Vous confondez tout. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas un troisième mandat. C'est le premier mandat de la Troisième République. C'est différent. Et les opposants, ceux qui sont les opposants au président Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est eux qui ont fait campagne et qui ont voté. Mais parce que Dempsey de New York, merci. Merci à toi. Merci frère. Et c'est pas parce que Soro Dion voudrait manger tellement gourmand et égocentrique, il voulait manger la grosse part. Il voulait manger la grosse part du gâteau. Qu'on a dit, non mon petit, fais attention, tu manges de trop. Il faut arrêter un peu, stop. On doit faire avancer le pays. Stop. On ne veut pas te remplir que le bide. C'est bon, ça suffit. Tu fais trop de caprices. Et là, soudain, brusquement, Soro devient
un opposant qui dit « Ah ouais, c'est la troisième, c'est le troisième mandat. » Mais Soro, personne ne l'a obligé à voter oui et à faire campagne pour la Troisième République. Personne n'a oublié Soro Diop. Excusez-moi, comme ça crache un peu. Personne ne l'a obligé. Un instant, je suis obligée de sauter. Parce que ça va mieux. Personne n'a obligé Soro Diop. Personne. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. La Côte d'Ivoire, là, c'est le premier mandat de la Troisième République. C'est le premier mandat de la Troisième République. En France, là, nous sommes Cinquième République, ici en France. La Côte d'Ivoire, c'est Troisième République. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Bédier a voté oui. Bédier, la personne l'a obligé à voter oui. Et à faire campagne pour lui. Donc, on respecte la loi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une démocratie. Le président Alassane Ouattara respecte le principe, les principes démocratiques. Il n'y a pas un président comme le président Alassane Ouattara qui est rigoureux sur la démocratie et sur les principes démocratiques. Il ne signe pas décret pour décret. Il ne décrète pas une république. Il respecte les institutions. Il a présenté à l'Assemblée nationale, les parlementaires, c'est-à-dire les députés, ont évalué, ils ont voté. Et nous sommes allés au vote. Et les Ivoiriens se sont dotés. Ce n'est pas le président qui a décrété la Troisième République. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui s'est doté de la Troisième République. On va rester depuis 60 ans, on va rester dans la Deuxième République. On peut évoluer un peu. Et puis nous souhaitons encore aller vers la Quatrième République. Oui! On doit évoluer, on doit rattraper notre retard. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Et donc, il ne faut pas que les gens rêvent. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas parce que ça a été une erreur pour le président déchu Alpha Condé, qui lui s'est trompé. Quand il a vu la Côte d'Ivoire, il s'est projeté. La Côte d'Ivoire n'est pas la Guinée. Non. Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, si vous rêvez de la même chose, ce qui s'est passé à un dîner là, si vous rêvez de la même chose en Côte d'Ivoire, vous avez pissé dans le violon. Vous avez, mais vraiment pissé dans le violon. Oui, vous avez pissé dans le violon. Les institutions ivoiriennes là, nous on les respecte. Vous avez pissé dans le violon. La Côte d'Ivoire est une démocratie. Celui qui veut être président, là, il dépose son projet. Les élections, c'est en 2025. Il n'a qu'à commencer à écrire son projet pour présenter aux Ivoiriens. Oui, pour aller aux élections. Mais ne rêvez pas d'un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ils ont essayé à plusieurs reprises. On va les mettre des baies, sans bruit même. Des baies sans bruit. Ne rêvez même. Vous pouvez rêver debout, mais vous allez tomber seul. Ne rêve même pas même de ça. La Côte d'Ivoire qui est là. Celui qui s'est amusé. C'est dit sans bruit. Nous, on ne parle pas, on regarde seulement. Mes frères et sœurs, je voulais dire à mes frères du côté de la Guinée, les gens sont en train de vous induire en erreur et font l'amalgame. Ce qui s'est passé en Guinée aujourd'hui ne se produira pas en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. La Guinée, c'est la Guinée. Nous sommes des frères. Mais nous n'avons pas les mêmes histoires. À vous tous, je vous souhaite une très belle soirée. Merci pour ceux qui ont partagé cette vidéo avec moi. Merci à vous tous. Modestine, je t'ai vu, tu étais très active, mais tu n'as pas lâché les commentaires. Non, mais là, la femme gourou s'est déchaînée. C'est déchaînée, moi, t'étais déchaînée même. Je vous embrasse tous. Souleymane Soumaro, Dancy de New York, merci. Merci à tout le monde, merci. Tao Moussa, merci. J'embrasse tout le monde, mais vraiment, on est de tout cœur avec les frères du côté de la Guinée. Kone Dougoutigui, je vous embrasse tous.
Merci à tout le monde, ceux qui ont partagé la vidéo. Merci et puis je vous dis à très très bientôt. Vive la Côte d'Ivoire et vive la paix en Côte d'Ivoire, vive la paix dans la sous-région. Nous sommes le poumon, le cœur. Nous sommes leaders. Tout le monde doit suivre notre exemple. Nous sommes l'exemple. Merci à vous tous et je vous dis à très très bientôt. Bye, ciao, ciao.